Et yop tout le monde, c'est Trenoxrenon, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Avant de débuter cette vidéo, je tiens à vous dire qu'on a validé 6 pronostics sur 6 en Europa League dans la vidéo juste avant. J'avais donné 6 pronos et les 6 ont été validés, dont 3 scores exacts. C'est magnifique. Ceux qui ont encaissé, n'oubliez pas de mettre un commentaire pour me dire si vous avez encaissé, si vous avez joué ou pas, si vous regrettez ou pas de pas avoir joué. Donc laissez votre commentaire, la vidéo sera en description pour ceux qui l'ont raté. Donc on a validé 6 pronos, c'est magnifique. Donc voilà, la cote est à 9,50 si vous accumuliez tous les pronostics. Donc si tu mettais 100 balles, tu gagnais combien? 900 balles. Enfin un peu moins, mais... Non, un peu plus, mais... Voilà. Donc c'est magnifique. Comme mis dans la miniature, on va débuter une montante de 20 euros à 200 euros en l'espace de 5-6 pronostics. Donc ça sera des cotes vers 1,50. Ceux qui connaissent pas les montantes, c'est tu démarres avec un billet, que ce soit 20, 50, 100. Et si tu valides ton premier pronostic, tu rejoues l'intégralité de ton bénéfice plus ton premier pari. Donc si tu gagnes, allez, tu mets 100 euros sur une cote à 1,50, tu gagnes 150 et sur le prochain pronostic, tu réparies 150 euros pour gagner autant sur une cote à 1,50. Et 5 fois comme ça, ainsi en l'espace de 5-6 pronostics, avec les 20 euros qu'on va jouer, on va gagner plus ou moins 200 euros, 220 euros. Donc voilà. Le match qu'on va jouer, ça sera Lazio Rome contre Bologne, qui se joue le 24 octobre 2020, donc samedi à 20h45. La cote de la Lazio est donnée à 1,70, le match nul à 4,30 et Bologne est donnée à 4,60. Donc sur les 3 derniers matchs, la Lazio fait 3-1 contre Dortmund, on s'en rappelle en Ligue des Champions. Franchement, je m'y attendais pas du tout à ce que la Lazio fasse 3-1. Je voyais plutôt un match nul Dortmund, mais ça a été mis dans ma vidéo Ligue des Champions. Donc j'avais mis nul ou Dortmund. Et là, la Lazio qui surprend en Ligue des Champions, parce que début de saison en Serie A, c'est pas ça. Hein. Donc après, avant, ils perdent 3-0 contre Sampdoria et ils font 1-1 contre l'Inter. Tandis que Bologne, ils perdent 3-0 contre Sao Solo. Ils perdent contre Benevent 1-0 et ils gagnent contre Parme 4-1. Donc il y a beaucoup de buts. Beaucoup de buts. Sur les 3 derniers matchs face à face, la Lazio gagne 2-0 contre Bologne. Ils font 2-2 et ils font 3-3. Donc des matchs nuls mais avec beaucoup de buts. Au classement, la Lazio, ils sont 15e actuellement avec une victoire, un nul et deux défaites. Et Bologne est juste derrière eux, 16e avec une victoire, 0 nul et 3 défaites. Donc sur ce pronostic, moi je vois un petit... On va regarder ça. J'hésitais à mettre le plus de 2,5 mais je pense qu'on va mettre les deux équipes marques parce que Bologne sont capables d'aller marquer contre la Lazio et la Lazio vont sûrement marquer contre Bologne. Après ce qu'ils ont montré en Ligue des Champions, la Lazio, je les vois bien mettre deux buts. Mais la Bologne, je les vois bien marquer aussi contre la Lazio, parce que la Lazio en défense, c'est pas trop ça non plus. Donc, premier palier, ça va être les deux équipes marquent, Lazio, Bologne. Donc on met 20 euros. Et on gagne 30,40 €. Donc sur le prochain pronostic, le palier 2, si ça passe évidemment, on mettra 30,40 € sur une cote à 1,50, 1,60, on verra. Donc on rejoue la mise plus le bénéfice sur le deuxième palier. Donc on se donne rendez-vous au deuxième palier si ça passe. Et n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner les gars pour plus de pronostics. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des pronostics. Donc je vous souhaite une bonne journée et ciao bye les gars.